Oh, tu es là. Ne bouge pas, j'ai quelque chose à te dire. Depuis quelque temps, je travaille sur un projet. Ah bon? Quel projet? Dis-nous en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, le projet consiste à remercier nos professeurs qui nous ont accompagnés durant ces dernières années. Hé, hey, mais t'as pas mis un truc, mec? De quoi tu parles, mec? Bah... Ah oui, j'allais oublier. Le projet consistait aussi à montrer nos différentes passions et de pouvoir s'exprimer d'une façon extérieure au lycée. Voilà, là c'est mieux. Les gens pourront mieux comprendre comme ça. Bon, moi je vous laisse, les gars. Je dois y aller. Ciao. Ça tombe bien, moi aussi je dois y aller, mec. Vas-y, bonne chance à toi. Bon, venez. Je vais vous montrer. Merci à vous, Monsieur Robot, de votre passion pour l'enseignement du sport. Cela a été une source d'inspiration constante pour moi. Vos encouragements, votre dévouement et vos compétences pédagogiques ont bénéficié à mon développement physique et mental. Ça y est, ça fait 3 ans que cette aventure dure. Et maintenant, je dois vous dire au revoir. C'est vrai que c'est avec un peu de tristesse, mais surtout beaucoup de joie que je m'en vais. Monsieur Baldi, mon professeur de français, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre enseignement attentif et votre dévouement constant. Grâce à vos cours, j'ai développé une appréciation plus profonde de la langue française et une sensibilité accrue à la beauté des mots. Votre passion pour la littérature et votre soutien m'ont inspiré à explorer ma créativité et à exprimer mes idées d'une manière artistique. Le dessin est ma passion qui illumine mes jours. À travers cet art visuel, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, de capturer mes émotions et de créer des mondes imaginaires. Chaque coup de crayon, chaque esquisse a été un voyage artistique où je me suis perdue avec délice. Le dessin est bien plus qu'un simple passe-temps pour moi, c'est une véritable passion qui me permet de donner vie à mes idées et d'explorer les limites de ma créativité. Alors que nous nous préparons à embrasser de nouveaux horizons, je vous souhaite à tous un avenir prometteur rempli de succès, de bonheur et de réalisation. Que nos chemins se croisent à nouveau dans d'autres aventures et que nous puissions toujours garder ces années de lycée dans nos cœurs. Les derniers jours du lycée, un chapitre qui se réfère à une époque remplie de souvenirs et de moments précieux. C'est une période empreinte d'émotions, où le passé et le futur se rencontrent. Madame Joly est une professeure exceptionnelle qui a la capacité rare de transformer les rêves en réalité. Elle incarne la passion, la créativité et l'inspiration, guidant ses élèves vers l'accomplissement de leurs chefs-d'œuvre les plus audacieux. Avec un sourire bienveillant et une voix empreinte de sagesse, Madame Joly donne vie à l'imagination de ses élèves. Elle est une source inépuisable d'encouragement, les poussant à explorer leurs talents cachés et à repousser les limites de leur créativité. La passion du jardinage est une flamme qui brûle au plus profond de ton être. C'est une passion qui te transporte au-delà des limites de l'espace et du temps, te connectant à la véritable essence de la vie. Chaque jour, tu te perds dans le doux rythme de la nature. Tes mains, habiles et aimantes, sont les graines de l'espoir et de la croissance. Chaque plante que tu cultives est une œuvre d'art, un témoignage de ton amour inconditionnel pour la nature. La passion du dessin.
un feu qui brûle au plus profond de ton être. C'est une forme d'expression unique qui transcende les limites du langage et permet à ton imagination de prendre vie sous tes doigts habiles. Avec un crayon comme allié et un morceau de papier comme toile, tu plantes dans un monde où les lignes se forment, où les ombres prennent vie et où les émotions prennent forme. Chaque coup de crayon est une évasion, une danse entre ton esprit créatif et le blanc de la page. Monsieur Géniès, un professeur d'économie et de gestion qui illumine les esprits de ses étudiants. Avec passion et expertise, il ouvre les portes d'un monde complexe et fascinant, doté d'une profonde connaissance du domaine. Il partage son expertise avec enthousiasme et clarté. Durant ces deux années, deux professeurs se sont démarqués par leur passion et leur investissement. Monsieur Pornoff, un maître de la connaissance, sait captiver son auditoire par sa passion pour son domaine d'expertise. Il aborde les concepts de manière enthousiaste et dynamique, ce qui permet aux élèves de comprendre et d'assimiler les subtilités du design. Ses cours permettent un éveil à la curiosité et à l'éveil intellectuel. Monsieur Damer, quant à lui, sait instaurer une atmosphère bienveillante, propice à l'apprentissage, grâce à sa merveilleuse moustache. Il sait être à l'écoute des besoins de ses élèves tout en les encourageant à explorer leurs idées. Grâce à cela, il crée un espace où chaque étudiant peut s'épanouir. Mais finalement, la vraie question, qui est qui ? Le dessin est une passion qui a fait vibrer mon cœur. Mes crayons, mes pinceaux et mon cutter sont mes outils de création. Ils me permettent d'explorer le monde du dessin et de la créativité. Parfois, une passion en cache une autre bien plus grande. Je me suis investie à 100% dans ma passion. J'ai passé des heures à croquer, à peindre et à expérimenter. Tout cela m'a menée à la conclusion que c'est bien plus l'expérimentation qui me plaisait que le fait de peindre ou de dessiner. Mes années de lycée, une période de découverte, d'apprentissage et de passion qui ont forgé mon parcours. Aujourd'hui, je souhaite t'exprimer envers mon professeur d'histoire de l'art, M. Auger, et partager l'importance de ma passion pour la pâtisserie. M. Auger, mon professeur d'histoire de l'art, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre enseignement inspirant et votre passion contagieuse. Grâce à vos cours, j'ai découvert l'histoire riche et fascinante de l'art et son influence sur notre culture. Votre passion communicative a éveillé en moi une appréciation profonde pour les chefs-d'œuvre qui marquaient notre histoire et nourrit mon désir de créer. La pâtisserie est bien plus qu'un simple passe-temps pour moi. C'est une véritable passion qui me permet de partager ma créativité et mes émotions à travers des douceurs sucrées. La pâtisserie a été ma passion qui a su égayer mes journées. À travers cet art délicieux, j'ai trouvé une voie d'expression et de créativité. Un grand merci à tous ceux qui ont réussi ces années de lycée inoubliables. Votre soutien, vos enseignements et ma passion pour la pâtisserie ont enrichi mon expérience et m'ont permis de grandir en tant qu'individu. Les jardins de la Grande Mosquée de Paris, un véritable havre de paix au cœur de la capitale, nichés derrière les murs de cette majestueuse mosquée. Ces jardins sont un symbole de beauté, de sérénité et de communion avec la nature. Elles sont un véritable enchantement pour les sens. Des parfums enivrants des fleurs exotiques, les couleurs éclatantes qui s'épanouissent au fil des saisons, les fontaines qui murmurent doucement. Chaque élément est soigneusement conçu pour créer une atmosphère paisible et harmonieuse. Permettent un espace de recueillement où l'on peut s'évader du tumulte de la vie quotidienne. Les visiteurs se promènent dans les allées ombragées, présentent des lieux tranquilles pour méditer. Notre professeur de mathématiques, une étoile brillante qui guide nos esprits vers les sommets de la logique et de la compréhension,
Avec sa passion pour les chiffres et sa dévotion à notre réussite, elle est une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Avec patience et clarté, notre professeur de maths illumine notre chemin vers la compréhension. Elle transforme les concepts complexes en idées simples, rendant les mathématiques accessibles à tous. Chaque équation, chaque formule devient un défi à relever passionné grâce à ses explications précises. Notre professeur de maths ne se contente pas de dispenser des connaissances, elle est également là pour nous soutenir dans notre apprentissage. La petite ceinture de Paris, un trésor caché au cœur de la ville. Jadis une voie ferrée active, elle est aujourd'hui un havre de tranquillité. Un témoin silencieux du temps qui passe, elle serpente à travers les quartiers animés de Paris, traversant des ponts majestueux et des tunnels sombres. Ces voies sont imprégnées de l'histoire ferroviaire de la ville, évoquant les souvenirs d'une époque révolue. Mais au-delà de son passé, elle offre aujourd'hui un décrin de verdure et de calme au milieu de l'effervescence urbaine. Les arbres embrassent les rails, les fleurs sauvages colorent les bordures. La petite ceinture est un refuge pour la biodiversité urbaine, abritant une multitude d'espèces végétales et animales qui trouvent leur place dans ces écosystèmes singuliers. Madame Kenifi, une professeure d'anglais passionnée qui ouvre les portes de la langue anglaise et de la découverte culturelle à ses étudiants. Avec son énergie contagieuse et son amour pour l'apprentissage, elle est une source d'inspiration pour tous ceux qui la rencontrent. Elle guide ses élèves dans l'apprentissage de l'anglais avec enthousiasme. Elle crée un environnement inclusif où chacun se sent encouragé à s'exprimer, à prendre des risques et à développer ses compétences. Au-delà de l'enseignement de la langue, Madame Kenifi encourage ses élèves à explorer la culture anglophone. Thank you.
pouvez marcher, hein. Vous pouvez marcher. Hein. Alors, refaites, vous n'êtes pas ensemble. Ouais, la lumière. Baisse, monte la lumière en haut. Enfin, monte la lumière. Ouais, mais non. Tourne la lumière pour qu'on puisse te voir. Non, arrête. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Putain, ça éclate les yeux. Ça arrive pas. Ok, attends, quelqu'un pour t'aider. Attends, je vais les gens. Les mains. Vas-y, non, t'inquiète, vas-y. Mes chaussures à tremper, elles sont trop. Je crois que j'ai regardé la caméra, c'est bon. Eh ben on va refaire. Ça va, Ombreman. Attends, regarde, je deviens moi. Non mais vers moi, putain. Ouais, est-ce que t'as un truc à dire? Tu fais trop peur. Déjà je suis aveugle. Ouais. C'était cool hein, c'est juste là je suis aveugle du coup. C'est bon, c'est bon. Non, t'es pas devant. Oh, t'as niqué. Passionnel pour la nature. La petite ceinture de Paris. Un trésor caché au cœur de la ville. J'aime mieux reprendre. Professeur de français, allez go. La pâtisserie est bien et bien. La pâtisserie est bien plus sain et. La pâtisserie. Attends. Ma mère a le même tapis de course. Ah ouais. Rien à voir. C'est ça m'a marqué. Ça va être horrible à couper et à truc machin. Je vais m'amuser ce soir. Ouais, t'inquiète. Attends, j'essaie de rendre ça amusant. Bah en fait, là, t'as ouais, fait ben fin, voilà. Quoi. C'est fini ? Oui. Ouais, j'ai fait. C'est la joie. Le... Ah. La passion du dessin, un feu qui brûle au plus profond de. Gwendoline, je savais qu'il fallait pas le faire avec toi. Bon, regarde, d'accord, pas. Je te regarde. Toi. Où les ombres prennent vie et où les esprits. Pardon, je recommence. T'inquiète. Avec un crayon comme allié et un morceau de papier comme toile. Trop vite, ça fait trop vite. où les ombres prennent vie et où les esprits. Pardon, vraiment, j'ai un problème. Tu peux reprendre à la phrase. J'ai un problème avec cette phrase. Tu te plonges dans les monts. Pardon. Tu te. Pardon. 3 ans se sont écoulés depuis qu'on a commencé le lycée. Trop vite, trop vite. Trop vite. 3 ans se sont écoulés depuis qu'on a commencé le lycée. C'est trop vite toujours. Imagine, tu lis un livre, je sais pas, tu lis doucement. Et avons traversé ces 3 ans ensemble. Là, elle peut refaire. Là, frère, Gwendoline, je t'ai tabassé. Arrête de rigoler. Ça, c'est énorme bêtise. Allez. On s'est rencontrés en seconde. Puis du jour au lendemain, on est devenus meilleurs amis. Putain, mais non, je l'ai mal dit, j'ai pas... meilleurs amis, j'aurais dû dire, putain. J'arrive. Moi, j'ai mis en route, hein. Moi, j'ai mis en route. Là, je me casse la gueule. Ouais, vas-y. Ouais, tout le monde. Lui aussi, hein. Ouais. Bah, c'est super, vraiment bien fait. Merci. Et ça fait chier, tu feras toujours.